Cette épuration doit être effectuée selon la méthodologie naturelle, qui n'a strictement rien à voir, un, avec l'usage immodéré d'un feu ordinaire. Les feux sont subtils puisque nous vivons sur un feu subtil. Quel est ce feu subtil dans l'homme? La vie elle-même, c'est un feu très très léger, très bénin. Je rappelle une définition très importante chez les alchimistes, un grand feu tue le petit feu. Donc le feu de cuisine, ça n'est pas la peine. En réalité, il y a autre chose à observer dans la nature. Il est très rare qu'elle ne donne pas des signes avant-coureurs de son activité violente. C'est-à-dire, on voit des fumerolles qui s'élèvent, on entend des grondements dans le sol, il y a des cours d'eau qui brusquement s'assèchent, ou des crevasses qui apparaissent, et ça jusqu'à 10 ans avant une explosion majeure, une éruption. Donc il faut être très attentif à tout ce qu'on appelle les intersignes. Dans votre existence, il en va de même. Quelquefois, il se produit des circonstances qu'on désormais appelle synchronicité. Il faut y être attentif. Parce que c'est souvent une ouverture brève de quelque chose qui peut modifier radicalement votre existence. Notamment, vous pouvez être dans cette situation quand vous cessez de penser mentalement. C'est un autre relais, c'est la pensée directe, naturelle. Et curieusement, sa particularité, c'est quand vous demandez quelque chose à cette pensée, elle vous dirige vers le résultat sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. En réalité, elle vous met en contact avec des individus qui vont aider à la manœuvre, avec des livres qui vont vous aider, parce que son principe, cette synchronicité, c'est le sens évidemment qui combat l'idée que tout est lié par autre chose que le sens, qui s'appellerait la loi de cause à effet. En réalité, cette chose-là existe sur le plan supérieur, c'est-à-dire celui qui sépare le vrai du réel, et il faut en profiter. Ça a pris un nom, la grâce, mais avant que la grâce s'installe, il faut exercer le mieux possible et le plus souvent possible. Quoi ? La vertu. Pas seulement. Parce que la vertu seule ne sert à rien si on ne la met pas. Voilà. La volonté vers la vertu, mais en plus une sorte de libération du carcan cérébral, à savoir l'intuition. C'est ça ce qu'il faut surtout. C'est ça qui est le grand travers de notre civilisation, puisque dès l'école primaire, tout est fait pour vous empêcher de penser par vous-même et avec une chose qui est plus rapide que toute autre chose et que la pensée elle-même, le sentiment. J'explique ça avec un bref exemple. Vous avez un petit chien que vous adoptez quelques heures après sa naissance. Il va vous considérer définitivement, avec un lien extrêmement puissant, comme son ami, son frère, son père, son tout. Tout est pour lui, ce lien est très fort. Vous ne pouvez pas l'enlever, ce lien. Le chien préférera mourir, se laisser mourir de faim notamment, ou même, on a des exemples malheureusement de suicide de chiens, ce qui est rarissime, les chats n'y comptent pas, ils sont trop imbus d'eux-mêmes, mais c'est un petit peu une observation. Néanmoins, ce lien ne pourra jamais être modifié en quoi que ce soit. Quelle que soit la distance, quel que soit le temps, il est inamovible, il est né et il existera toujours. C'est la religion, si je puis dire, christique, qui essaye, tant bien que mal de nos jours, de montrer que ce lien-là est plus fort que tout le reste. Pourquoi ? C'est une autre expression que j'avais trouvée dans les anaglyphes. Et il est dit dans les anaglyphes, alors je dis que grosso modo les anaglyphes c'est le tout début de l'écriture, or cette écriture non seulement est parfaite dans la forme graphique, mais elle est parfaite dans l'expression, mais elle n'a pas seulement les aspects qu'on lui donne actuellement. Il y a l'hiéroglyphie, c'est-à-dire l'écriture sacrée dans le sens grec du terme, et elle est très très bien faite. Plus elle est ancienne, plus elle est parfaite dans la forme, dans l'expression, dans la tournure. Et à l'époque donc la plus jeune de l'écriture dans l'histoire, de l'Égypte notamment, il y a ce que Champollion, qui a été le seul à appeler ainsi, des anaglyphes. Or les anaglyphes, c'est ce qui relie le vrai au réel. Et il est dit ceci, à propos donc de cette particularité, que si on perd la pureté du cœur, on perd la science. Vous comprendrez donc qu'il faut soi-même s'épurer
non pas seulement corporellement, mais son sentiment, il doit être vrai, le plus vrai possible. Il faut choisir d'aller, si possible, le plus souvent vers le beau, mais pas le beau contrefait, pas le beau dialectique des modernes, des contemporains, j'allais dire, ce qui est normal, l'art contemporain. Il faut aller vers le beau, mais pas seulement le beau physique, c'est-à-dire le beau représentatif. Il y a le beau moral, c'est lui qui doit faire suite, c'est la leçon de Platon numéro 1. À cette époque, Platon ne parle pas de religion, il dit la religion c'est un truc pour toi, si tu en as besoin, tu l'utilises, mais pour lui, il n'y a pas de religion institutionnelle. D'ailleurs, si vous êtes attentif, la traduction étant bien faite, il dit constamment « le Dieu ». Celui qui construit l'univers, c'est le Dieu. Il ne parle que incidemment des faces particulières des dieux, c'est-à-dire la face brillante Apollon, la face qui n'est qu'un reflet, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à la persona, en latin le masque, la lune, etc. Donc pour revenir à cette singularité, il est demandé d'être pur dans ses sentiments, dans ses intentions, dans son comportement. Et donc c'est ça ce qui est demandé. À ce titre-là, seul on peut constituer ce qu'on appellera ultérieurement une confrérie. Alors il y a des confréries qui se choisissent dans le métier. Par exemple, imaginons que tu aies des potes qui soient des cuisiniers. Et l'intérêt d'une confrérie, c'est que s'il a un ami qui est bon, par exemple, en pâtisserie et mauvais en rôtisserie, ils vont échanger leurs infos et chacun va enrichir l'autre de ce qu'il a possédé, parce qu'on ne peut offrir que ce que l'on possède. La seule manière de rentrer dans la nature, c'est d'être avec elle, de se promener dans elle, de la connaître intimement. Regardez le matin, tôt, le soleil se lève à l'horizon, et qui sont les premiers à manifester leur joie de savoir que la nuit ne va pas perdurer comme ça? Ce sont les oiseaux, parce que les oiseaux vivent légèrement au-dessus de l'horizon. C'est ce qu'on vous indique. Vous devez vivre légèrement au-dessus de l'horizon humain. C'est pourquoi on ne vous interdira pas d'être mondain, mais il ne faut pas être que cela, il ne faut pas se faire happer par les mondanités. Il faut rester indépendant de tout ce qui est la vie mondaine. Il y en a parmi vous qui le font très bien, et je les apprécie énormément pour cela, parce que ça, c'est le début de la sagesse. La deuxième partie de la sagesse, c'est penser par soi-même. On est indépendant de la vie du monde, on est indépendant du fait que les autres pensent pour vous, parce que c'est essentiellement cela. Regardez le nombre de millions d'ahuris qui suivent les matchs de foot. J'admets qu'on puisse vouloir se détendre, ça, sans limite. Mais se comporter comme ils se comportent pour la plupart, ça me paraît insupportable pour définir honnêtement ce qu'est la noblesse du genre humain. Donc, voilà.